Bienvenue à tous sur Nouvelle Homme. En 1975, à Lagos, alors capitale nigériane, 15 chefs d'État ouest-africains, dont 8 militaires, ont créé la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'objectif était de promouvoir l'intégration de la sous-région en mettant en place un espace économique, social et monétaire commun. Depuis lors, la CEDEAO a enregistré plusieurs succès, dont l'établissement d'une zone de libre circulation et d'une union douanière permettant à ses ressortissants de voyager et aux entrepreneurs de commercer librement. Parmi les organisations sous-régionales africaines, elle demeure la plus intégrée et dynamique avec des institutions telles que la Commission, le Parlement, la Cour de justice, la Banque d'investissement. Ces dernières années, la CEDEAO est confrontée à de nombreux défis ayant entraîné le retrait de 3 de ses membres. Ces derniers l'accusent d'être instrumentalisés par des puissances étrangères et détournés de ses objectifs initiaux. Considérée par certains analystes comme la cadette de l'Union européenne en matière d'intégration, la CEDEAO tente en vain de mettre en place une monnaie unique, l'éco. Cela est dû à la présence de plusieurs monnaies dans la zone et surtout la complexité du franc CFA, monnaie liée à l'euro et utilisée par 9 de ses membres. Pensez-vous qu'il est possible de mettre en place une monnaie unique de la CEDEAO? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. Restez connectés.